Nous en sommes à 30 000 blessés, 15 000 morts, pardon, c'est le chiffre global, depuis le 7 octobre. En Cisjordanie, l'offensive israélienne qui comprend Jérusalem-Est bat son plein. Les militaires et les colons se déchaînent sur la population. Les déplacements, les destructions de maisons, les incursions violentes, les bouclages de villes et villages, les interpellations massives et les assassinats continuent. Jénine est particulièrement touchée, mais aussi Naplouse et tout le Carême, tout le nord de la Cisjordanie. Je vous dis qu'il y a actuellement 2070 prisonniers qui sont en détention administrative. Détention administrative, ça veut dire sans charge ni procès, avec interdiction, avec les avocats, leurs avocats qui n'ont pas accès à leur dossier. Les photographes, encore 4 photographes ont été tués. Il y a aussi les journalistes palestiniens qui continuent à être ciblés dans la bande de Gaza, interdite à tous les journalistes internationaux. Le territoire est bouclé, personne n'y rentre, et ainsi Israël peut raconter ce qu'elle veut. Mais comme par hasard, nous n'avons la voix que d'un seul côté et pas de l'autre, puisque soi-disant les autres, ce sont les terroristes. Et les conflits à la frontière du Liban et de la Syrie se poursuivent avec des bombardements, et un bombardement israélien a coûté hier la vie à 2 civils à Houla dans le sud du Liban. Nous en sommes actuellement à 73 journalistes tués depuis le 7 octobre. Israël, assassin. Un grand complice. Netanyahou, assassin. Un grand complice. Israël, assassin.